Salut tout le monde et bienvenue sur Maggie Dolls Collector. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review et l'unboxing des 12 figurines Magic Style. Donc voici les 12 petites pochettes que nous avons achetées sur eBay. Donc là, vous avez un aperçu de l'avant du paquet et également de l'arrière où nous retrouvons les 12 personnages. Donc je vais commencer à en déballer 6. Donc dans le premier paquet, on retrouve Tecna Onyrix avec des longs cheveux. Ça c'est super cool de lui avoir fait des longs cheveux. Elle est absolument adorable. Dans chaque paquet, on retrouve un genre de petit dépliant qui nous montre les 12 figurines. Avec d'un côté les Onyrix et de l'autre les tenues fashion. Et de l'autre côté, on retrouve une petite pub pour un concours, des petits conseils beauté et le devant. Et on retrouve également dans chaque paquet un petit socle transparent avec le logo du Winx Club au milieu. Alors on va ouvrir un deuxième paquet. Et c'est une Layla, et donc c'est Layla Fashion. J'adore ses couleurs et sa petite pose est vraiment trop mignonne. Et elle vient avec une petite barrette papillon et bien entendu le fascicule et le socle. Troisième pochette. Et nous découvrons cette fois-ci Musa Fashion, qui est vraiment trop mignonne. Elle a aussi une pose adorable. Et elle a bien entendu, comme les autres, un petit socle et une petite barrette qui est en forme de petite fraise. Quatrième pochette. Et cette fois-ci, c'est Bloom Onyrix, qui est vraiment super belle aussi. De toute façon, elles sont toutes trop belles. Elle a vraiment des cheveux super longs, j'adore. Voilà, de dos. Et on retrouve aussi le petit fascicule et le socle. J'ouvre maintenant la cinquième pochette. Donc on a le petit fascicule, le petit socle. Et une barrette fleur, donc je suppose que c'est Flora Fashion. Oui, elle est trop belle. Sa couleur de cheveux est magnifique. J'adore cette poupée. Sixième pochette, donc c'est la dernière que j'ouvre et c'est ensuite Guillaume qui va ouvrir les 6 prochaines. Et c'est donc Musa Onyrix, qui a une frange énorme et qui a les cheveux plus clairs que les poupées. J'aime bien ce bleu vraiment plus clair. Donc voilà, c'est maintenant Guillaume qui ouvre les petites pochettes. Donc dans celle-ci, il y a Bloom Fashion, donc qui est également vendu avec le magazine. Elle est adorable, j'adore sa petite pose, on dirait qu'elle fait coucou, c'est trop mignon. Et elle a une petite barrette en cœur. Donc là, on en est à la huitième pochette. Et c'est Tecna Fashion, qui a des cheveux longs. Je m'en remets toujours pas. C'est vraiment trop beau. Elle a son petit socle et sa barrette en diamant. Neuvième pochette. Il s'agit de Stella Onyrix, qui est adorable. Dixième pochette, où il va découvrir Flora Onyrix, qui est notre préférée à tous les deux, je crois vraiment. Elle est absolument ravissante. Voilà, de dos. Avant-dernière pochette, il s'agit de Layla Onyrix,
qui est ma deuxième préférée après Flora. J'adore sa pose, ses couleurs, ses cheveux, elle est parfaite. Donc là, on retrouve la dernière pochette, et c'est donc Stella Fashion, et oui, qui a une couette un petit peu rebelle. Voilà, j'adore cette poupée aussi, je les adore toutes. Et elle a une petite barrette en étoile. Donc maintenant, je vais vous les présenter d'un petit peu plus près. Donc là, c'est Flora Fashion, sa petite fleur. Et je tenais à dire un mot sur les cheveux qui sont super doux. Ils ont la qualité des premières Witty Toys, l'époque Smoby. Ils sont absolument magnifiques. Donc là, on a Lila Fashion et sa petite barrette papillon. Et elle a des cheveux trop beaux. Tecna Onyrix, que j'ai coiffé parce que pour une fois qu'elle a les cheveux longs, j'en ai profité. Musa Onyrix, qui est super belle aussi. Et qui a vraiment une jolie ondulation au niveau de ses cheveux. Lila Onyrix, qui est trop trop belle et qui a des cheveux parfaits. Là, on a la petite Bloom Fashion, qui est trop mignonne. Et qui a une barrette en cœur. Musa Fashion, avec sa petite barrette fraise, c'est trop trop beau. Là, on a Bloom Onyrix, qui est une de mes préférées. J'adore les ailes pailletées. Là, on retrouve Stella. Donc, j'adore Stella, mais je trouve les cheveux un peu trop jaunes. Là, on a Tecna Fashion. Donc, je vous fais une photo de ses cheveux, parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Et là, sa petite barrette en diamant. Là, on a la magnifique Flora Onyrix et Stella Fashion avec sa barrette étoilée. Merci à tous d'avoir suivi cet unboxing et cette review. J'espère que ça vous aura plu. On est super fan de ces poupées. Et si vous pouvez les trouver, vraiment n'hésitez pas parce qu'elles valent vraiment le coup. Gros bisous à tous et à très bientôt pour de futures vidéos. Ciao !